Extrêmement intéressant. Alors, donc, sans trop tarder, je crois que je vais laisser la place aux conférenciers pour qu'ils puissent nous entretenir. Et habituellement, donc, on y va en termes de. Le conférencier, il fait sa présentation. Je crois que pour faciliter les choses, on va lui laisser présenter et ensuite, on peut passer à la période des questions. Okay? Merci beaucoup. Ça marche. Ben, merci beaucoup. Merci de m'accueillir pour cette première expérience en ligne. Ouais. Donc, oui, aujourd'hui, je vais vous parler de. J'assume que présentement, tout le monde peut voir mon écran. Je l'ai partagé. Ça va être sur la première slide déjà. Oui, parfait. Donc, oui, aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qu'on a au MELA qui est sur la prédiction de l'irradiation solaire avec des réseaux de neurones profonds. Ça va être une présentation qui est assez haut niveau. Je vais passer au plan directement. Donc, qu'est-ce qu'on va voir exactement ici? Ça va être l'irradiation solaire. Pourquoi est-ce qu'on veut le faire? Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que les enjeux sont quand même assez clairs. Un peu de contexte, pourquoi nous, on s'attaque à ce problème-là. Après ça, survol des données qu'on a étudiées pour la version publique de ce projet-là, du moins. Après ça, présentation des grands blocs Lego. Quel genre de solution est-ce qu'on assemble typiquement en machine learning pour résoudre ce type de problème-là avec de l'imagerie? Donc, je vais parler un petit peu des CNN 2D. Je vais parler un petit peu de l'intuition derrière les CNN, sous l'hypothèse que ce n'est pas tout le monde ici qui est nécessairement comment dire, ultra connaissant en tout ce qui est convolutional neural network. Donc, après ça, je vais parler des autres blocs qui existent en apprentissage profond, CNN 3D, LSTM, des trucs comme ça. Il y a vraiment une panoplie d'outils qu'on peut utiliser pour résoudre le problème de la prédiction de l'irradiation solaire. Et après ça, je vais présenter quelques petites solutions possibles, mais c'est ça. Le but de la présentation comme telle, c'est vraiment de vous donner une idée du design d'une application de machine learning, plus précisément d'apprentissage profond, donc de deep learning, en observation de la Terre. Commençons avec une petite définition du problème, l'irradiation solaire. En gros, l'irradiation solaire, c'est la puissance par unité de surface reçue du Soleil par rayonnement. Pourquoi on s'intéresse à ça? Ben, panneaux solaires, panneaux solaires, panneaux solaires, principalement. Sur Terre, il y a plusieurs facteurs géographiques qui peuvent avoir un impact sur la quantité d'irradiation qu'on reçoit, donc l'élévation. Si on est sur le top d'une montagne ou dans le fond d'une vallée, à quelle latitude on est sur la planète Terre, etc. Donc, il y a beaucoup d'impact. Puis, on peut le voir un petit peu sur la carte à droite. Je ne sais pas si vous pouvez voir ma souris, mais ça, c'est un estimé très grossier de pour un seul moment dans l'année, à quoi ça ressemble grossièrement. Ça varie beaucoup. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est aussi simple que oh, on va calculer avec un modèle physique puis on va mapper ça sur une sphère. Donc, c'est quand même assez délicat. Les conditions atmosphériques ont un très gros impact sur la quantité de rayonnement qui peut atteindre le sol, donc qui peut atteindre des panneaux solaires. La présence de nuages, c'est vraiment immense l'impact que ça peut avoir, mais aussi les particules dans l'air, tout ce qui est les aérosols, les choses comme ça. Donc, si on veut une bonne prédiction, il faut tout considérer ça. Nous, plus particulièrement, la mesure sur laquelle on s'intéressait, c'était le Global Horizontal Irradiance. Le GHI. Donc, c'est l'indice de mesure qui est des watts par mètre carré essentiellement qui dit que la puissance maximale utile qui peut être captée par un panneau solaire. Donc, si notre panneau solaire avait efficacité 100% puis avait une certaine taille, disons 1 mètre carré, bien, on aurait ce nombre de watts-là en énergie qui pourrait être utilisé. Ce qui est intéressant de noter ici, qui est vraiment important pour ce projet-là, c'est que le GHI lui-même peut être mesuré par une station au sol. Il y a des capteurs qui existent qu'on fait juste positionner, puis boum, on reçoit la vraie mesure de cette chose-là. Donc, pourquoi estimer le GHI? Ben, je l'ai déjà couvert un petit peu. Il y a beaucoup d'applications climatiques, industrielles, toutes sortes de choses comme ça pour le GHI, mais en réalité, nous, on s'intéresse vraiment à prédire la disponibilité de l'énergie solaire sur les réseaux électriques. Pourquoi ça, c'est important? Ben, vous l'avez sûrement déjà entendu. L'énergie solaire, c'est beau, c'est vert et tout, mais la disponibilité est pas aussi fiable qu'avec une centrale nucléaire ou une centrale au charbon, quoi que ce soit, parce que l'énergie est vraiment basée sur la disponibilité du soleil, et quand le soleil n'est pas là, ben, il faut absolument avoir un backup.
soit des batteries, soit une centrale au gaz ou quelque chose d'autre pour fournir sur le réseau. Donc, être capable de modéliser, je rentre un petit peu dans le reste de l'introduction, mais être capable de modéliser moyen ou court terme, ça va être quoi l'impact des nuages qui s'en viennent parce qu'il y a un gros front froid qui se promène sur le territoire? Ça va être quoi cet impact-là sur la disponibilité de l'électricité, puis comment ajuster la tension sur un réseau? Ben, c'est super, super important. Donc, un petit peu de contexte par rapport à pourquoi on étudie ce problème-là, Amila. C'est un projet qu'on a eu pour un partenaire privé, mais c'est aussi un projet qu'on a donné aux étudiants à la maîtrise professionnelle pour qu'ils se fassent un peu les dents sur une vraie application de machine learning qui est utile pour l'industrie. Aujourd'hui, malheureusement, je ne pourrais pas présenter tous les développements qu'on a fait avec le partenaire privé, mais je peux présenter un peu ce que nous on donnait aux étudiants comme introduction, comme travail qu'ils avaient à faire pour leur cours obligatoire. Donc, ça donne une assez belle introduction, puis en même temps, ça donne un bon survol de comment nous on cible ce genre de problème-là avec une mentalité plus machine learning. Donc, au niveau de la formulation de l'objectif, ben, c'est relativement simple. C'est à partir d'imagerie satellitaire, on aimerait ça prédire le GHI à court terme pour certains points sur une carte. Ici, on a un exemple d'imagerie satellitaire, je vais revenir, c'est le GOES-13. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est un problème simplifié où est-ce qu'on dit pour certains points sur une carte, on veut prédire le GHI. On n'essaie pas de le faire partout à travers, disons, l'Amérique du Nord. Ça, c'est quelque chose que notre partenaire privé était intéressé de faire, mais pour ce besoin-ci, c'est en fonction des données qu'on avait puis de la simplicité du problème qu'on voulait présenter aux étudiants en maîtrise professionnelle, c'est ça qu'on leur disait de faire. Donc, on dit pour ce point-là qui correspond à une ville quelconque, estimons le GHI pour le temps actuel dans 1 heure, dans 3 heures et dans 6 heures, par exemple. Et ça couvre assez bien les besoins typiques de prédiction pour les entreprises qui intéressent à balancer un petit peu la tension sur les réseaux électriques. Donc, c'est quoi les défis derrière ce genre de problème-là? Dans le fond, on pourrait décider d'estimer le GHI puis les radiations au complet en utilisant un modèle physique, mathématique. Par contre, ce genre de modèle-là serait ultra complexe parce qu'il faudrait modéliser tous les phénomènes impliqués dans tout ce qui est atmosphérique et compagnie, donc tous les courants d'air, tous les fronts froids, les fronts chauds, le climat, les arrêts au sol, mais aussi essayer de modéliser tout ce qui est au sol qui pourrait avoir un impact, comme par exemple s'il y a une grosse montagne, de la condensation, bien, il y a un nuage qui peut se former, puis des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui sont à peu près impossibles à modéliser, ça serait trop complexe. Puis en même temps, si on voulait faire des prédictions vraiment robuste, il faudrait en même temps avoir des données temps réel ou quasiment temps réel du terrain pour pouvoir combiner à ce modèle-là, puis là, ça serait beaucoup trop compliqué. Donc, l'hypothèse derrière notre formulation ici, c'est que l'imagerie satellitaire devrait offrir assez d'informations pour modéliser les phénomènes atmosphériques et qu'on puisse faire ça avec l'apprentissage de machine. Donc, on va entraîner un modèle pour comprendre un petit peu c'est quoi les phénomènes qui sont importants, comment ces phénomènes-là impactent le GHI ou les radiations, et après ça, il va nous fournir des prédictions dans le futur. La bonne nouvelle ici, ce qui était vraiment fantastique pour ce genre de projet-là, c'est qu'il y a beaucoup de données qui sont open source, donc sont disponibles. On peut les utiliser directement, ce qui est fantastique. Nous, je vais y revenir un peu, on utilise l'imagerie GOES-13 qui est maintenant très vieille et même le satellite a été décommissionné. On utilise des stations de Surfrad aux États-Unis, qui sont des stations de mesure à la surface, qui datent d'il y a très, 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 très longtemps. L'affaire, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour le problème qu'on a, qui est très moderne, on parle de panneaux solaires, d'énergie verte, ben, c'est des sources de données qui sont très vieilles, mais tout ce qu'on fait, c'est les revaloriser en utilisant des nouvelles techniques d'apprentissage machine. Donc, au niveau des solutions existantes pour la prédiction du GHI, il y en existe quand même pas mal. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que la raison essentiellement pourquoi on a un partenaire privé qui est venu nous voir en disant hey, je veux que vous nous fassiez quelque chose de nouveau, ben, c'est parce que ces solutions-là remplissaient pas vraiment les besoins qu'eux y avaient. Donc, premièrement, il y a beaucoup de solutions commerciales et disponibles dans la littérature scientifique qui
pas de prédiction dans le futur. Donc, ils sont capables de fournir l'irradiation pour le moment actuel en fonction des mesures actuelles. Donc, c'est quand même utile, mais c'est pas super pratique quand on essaie de prédire ou prévoir l'impact sur un réseau électrique, par exemple. Donc, ça marche pas. Aussi, il y a beaucoup de solutions que s'ils veulent prédire dans le futur, bien, ils ont besoin de beaucoup de données temps réel sur le terrain. Donc, par exemple, juste essayer de détecter les nuages à partir de caméras au sol, des choses comme ça, c'est vrai que ça fonctionne bien, mais si on essaie d'étendre le problème à toute l'Amérique du Nord, avoir des caméras au sol partout, c'est pas nécessairement pratique ou faisable. Puis aussi, c'est un problème de recherche qui a encore beaucoup d'actualité. Quand on parle de prédiction à très court terme, comme on essaie de le faire ici pour le GHI, jusqu'à, disons, plus 6 heures, on parle de nowcasting. Le nowcasting, c'est aussi très utilisé pour tout ce qui est précipitation. Essayer de prévoir des phénomènes très locaux, de dire, oh, ici, il va y avoir énormément de pluie, on est mieux d'ajuster les systèmes d'égouts, des choses comme ça. Donc, c'est un problème de recherche. Les objectifs eux-mêmes varient un petit peu, mais le nowcasting, c'est très actuel encore. Parmi les solutions qui existent, qui sont les plus accessibles et utiles pour nous en tant que chercheurs, pour les étudiants en tant qu'eux, ils veulent expérimenter, puis même pour notre partenaire privé qui voulait utiliser des choses simples, mais qui avaient un bon impact. Premièrement, un modèle Clear Sky, c'est super utile. C'est un modèle où on combine information géographique plus physique pour prédire le GHI, mais en assumant qu'on a toujours un ciel parfaitement découvert, donc aucun nuage. Puis les arrêts au sol, c'est toujours une quantité constante. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'avec ce genre de modèle-là, on pourrait dire s'il n'y a jamais de nuage, c'est la borne supérieure du GHI, donc de la radiation qu'un panneau solaire devrait avoir à un certain endroit sur la Terre. Donc, c'est un modèle qui est relativement simple. Il y a même des implémentations en ligne, en Python, qu'on peut juste pip install et boum, ça fonctionne. Donc ça, c'est super. Mais le fait que ça nous donne une borne supérieure à tout ce qu'on va prédire, c'est vraiment fantastique. Autre modèle qui est très intéressant que les étudiants aiment beaucoup utiliser, ont beaucoup aimé utiliser dans le projet, modèle de persistance où ce qu'on fait essentiellement, c'est prédire le GHI actuel comme étant le GHI qu'on vient juste de mesurer, plus une correction. Puis la correction, ça pourrait être par exemple quelque chose basé sur les nuages, puis le GHI passé, ça pourrait être basé sur Clear Sky. Donc la combinaison est vraiment très puissante. Mais nous, on veut aller au-delà de ça. Ça, c'est des bons modèles si on veut essayer d'avoir des bornes supérieures, bornes inférieures, des choses comme ça. Mais si on veut aller au-delà de ça, ben, on veut utiliser du machine learning. Donc, données à utiliser. Je vais survoler un petit peu les données. Premièrement, l'imagerie elle-même, c'est satellite GOES 13. Donc, c'est un satellite américain de l'Agence d'observation atmosphérique et quelque chose, je ne me rappelle même pas du nom, mais c'est américain. C'est un satellite qui a été lancé en 2013, il y a une nouvelle version en 2015, il y a une nouvelle version, je pense, en 2017. Donc, ils sont toujours en train de le remplacer. C'est une constellation, à vrai dire. C'est géostationnaire, ça prend des images de l'Amérique du Nord, très centrées sur les États-Unis, disons, mais au moins, on a une petite partie du Canada, puis c'est pas si mal. Ce qui est super intéressant, par contre, c'est que c'est des images qui sont disponibles aux 15 minutes, et même si la résolution n'est pas ultra bonne, ben on voit assez bien les nuages pour voir vraiment l'impact qu'un nuage pourrait avoir sur le GHI. Donc ça, c'est fantastique. En tout, 5 bandes disponibles, ce qui reflète assez bien toutes les conditions atmosphériques qu'on pourrait peut-être penser utiliser. Donc ça, c'est pour l'imagerie en entrée. GOES 13, c'est ça. C'est disponible aux 15 minutes, mais c'est disponible en ligne. Donc on peut le télécharger aux 15 minutes si on veut faire vraiment des prédictions comme pour aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on a fait essentiellement pour nos expériences, on a téléchargé les X dernières années, puis on a fait toutes nos expériences là-dessus. Donc ici, j'espère que vous allez pouvoir le voir. Petite illustration de cette imagerie-là en temps réel. C'est juste un enregistrement. Chaque image est aux 15 minutes. L'image qu'on voit en haut complètement, c'est l'illumination directement. Donc c'est ce qu'on voit de l'espace de l'Amérique du Nord. Chaque point correspond à une des stations de mesure que je vais parler dans la prochaine slide. Mais ça montre un petit peu que si on utilisait juste le spectre visible, ce ne serait pas super informatif comme données parce qu'on ne pourrait pas suivre les nuages la nuit. Mais en utilisant les autres bandes,
C'est fantastique. Bon, on peut vraiment suivre les nuages de nuit. Donc ça, c'était quelque chose qui était super intéressant pour nous. Puis on peut voir aussi l'impact que ces nuages-là ont sur le GHI lui-même. Donc les courbes ici, c'est le GHI. Vous pouvez voir que ça suit vraiment une belle courbe dans le style le soleil se lève, on arrive au zénith, puis ce soleil se couche. La nuit, GHI, c'est zéro parce qu'il n'y a absolument aucune irradiation qui se rend. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la courbe jaune ici, c'est le point ici qui est tout à fait à gauche. De mémoire, c'est DRA, donc c'est en Arizona. Donc ça, c'est complètement dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup de nuages. Donc, hey, c'est fantastique. Donc ça, c'est essentiellement le modèle Clear Sky. Le modèle Clear Sky, on le voit, c'est en pointillé en arrière de la courbe. Donc les deux se suivent beaucoup, beaucoup. Clear Sky n'est pas parfait non plus. On dit que c'est la bande supérieure, mais c'est juste grossièrement une estimation. Mais on voit qu'il n'y a pas de nuages, la vie est belle. Par contre, la ligne grise ici, gris, c'est SFX. Je pense que c'est Sioux Falls, peut-être au Dakota. Donc c'est le point qui est ici, à peu près dans le milieu en haut de l'image. On voit ce qui est intéressant, c'est qu'au début de la journée, ce point-là, je vais le laisser redémarrer, il est en dessous de plein de nuages, puis le GHI est vraiment mauvais, mais dès qu'on sort des nuages, boum, il retombe à sa valeur réelle, classique, maximale, telle que dictée par le Clear Sky Model. Donc, les nuages ont vraiment un gros impact, mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit très bien des nuages dans ce genre d'imagerie-là. Donc, c'est très prometteur. Maintenant, pour les stations elles-mêmes, ça, c'est les stations qu'on a utilisées. C'est SurfRad, comme je l'ai dit un peu plus tôt. C'est des stations qui ont été mises en place en 1993 aux États-Unis. Ils mesurent toutes sortes de choses à la surface. SurfRad, c'est Surface Radiation, ou des choses comme ça. Une des choses qu'ils mesurent, c'est le GHI. Les données sont disponibles à chaque minute pour 24/7. Donc, on peut toujours aller voir exactement c'est quoi les mesures pour n'importe quel moment à travers les 20 dernières années ou plus que ça même. Donc, ça, ces données-là, ce que ça nous fournit, c'est le ground truth, donc la vérité terrain de ce qu'on essaie de prédire. Puis maintenant, vu qu'on a une entrée qui est l'imagerie et la sortie qui est le GHI mesuré au sol, bien, on a une belle formulation pour un problème d'apprentissage supervisé ou d'apprentissage machine supervisée. Donc, petit exemple de ce qu'on peut avoir avec SurfRad, qui est quand même intéressant. Ça, c'est bon, les acronymes qu'on a vus dans l'autre graphe. La ville dans laquelle la station est établie, mais aussi latitude, longitude avec l'élévation. Mais ces trois coordonnées-là sont quand même assez utiles si on veut que notre modèle apprenne apprenne des connaissances spécifiques à chaque emplacement. Si on veut avoir des données absolument... si on veut avoir un modèle qui est absolument parfait pour cet emplacement-là, on peut fournir ça aussi comme entrée au modèle. Donc, c'est toujours des petites informations comme ça, auxiliaires, qui sont intéressantes à exploiter s'ils sont disponibles. Donc, maintenant, on a notre grande vue d'ensemble. Donc, on a l'imagerie. Pour l'image complète de l'Amérique du Nord, on le sait que notre station d'intérêt est à un certain point dans cette image-là. On peut aller découper autour, prendre juste un petit carré, puis dire... Voici ce qui est au-dessus de toi. En même temps, on peut prendre les métadonnées comme il est quelle heure, quel jour, quel mois, quelle partie de l'année essentiellement pour savoir on est rendu où dans le cycle solaire. Latitude, longitude, élévation, il y a toutes sortes de métadonnées comme ça qu'on peut aussi utiliser en entrée. On combine ces deux-là, on les rentre dans un modèle. Et le modèle, ce qu'on voudrait qu'il nous fournisse, c'est les valeurs de GHI directement à des temps prédéterminés. Donc, c'est fantastique. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, ça, c'est la formulation parfaite pour un problème de machine learning où est-ce qu'on a des exemples entrée-sortie, puis on veut juste que le modèle apprenne le pattern qui est en dessous. Donc, ça veut dire que le modèle, ce qui est dans le milieu, c'est la vilaine boîte noire, ce que les gens ont toujours peur et qu'ils ne comprennent pas trop. Mais ce qui est important de noter, c'est que dans ce genre de problème-là, préparer les données, puis bien identifier tout ce qui est autour dans le problème, c'est vraiment 80% du travail. Puis la boîte noire, vu qu'on est toujours en train de réutiliser des outils que d'autres personnes ont préparés pour nous, on n'a pas besoin de réinventer la roue. On fait juste réutiliser un modèle qui existe déjà. Donc, ça, c'est le message principal que je veux envoyer aux gens, c'est si vous êtes capable d'identifier un problème comme ça avec input, output, des exemples, avec des données déjà annotées, c'est le genre de truc parce que le machine learning s'applique super bien.
Donc, apprentissage machine learning, même chose. Ici, je vais parler principalement d'apprentissage profond, mais c'est juste une sous-branche de l'apprentissage machine. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans cette branche-là, tous les blocs qu'on va utiliser pour construire un modèle prédictif, c'est un peu comme des Lego. C'est facile de les assembler ensemble, c'est facile d'en assembler plein en se disant, hey, mon modèle va être de plus en plus complexe. C'est vrai, ça peut fonctionner. Faut pas en mettre trop, parce que là, on rentre dans d'autres complications, des dangers de, oh, hey, peut-être que le modèle va commencer à moins bien performer s'il est trop complexe. Mais l'important, c'est vraiment de voir ça comme, faut comprendre les Lego et faut comprendre comment on les connecte ensemble. Donc, à quelle entrée, quelle sortie, quel genre de Lego j'ai besoin, des choses comme ça. Donc, je vais vous parler maintenant de la composante principale pour tout ce qui est traitement d'image. C'est le morceau le plus classique, le mieux expliqué, connu, compris et le plus populaire, je dirais même, pour tout ce qui est deep learning ou apprentissage profond. Le réseau neuronal convolutif, donc le Convolutional Neural Network, le CNN. Ça a été proposé initialement par Yann LeCun en 1998. Ça, c'était son réseau original. Ça a évolué énormément depuis. Notre compréhension de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou qu'est-ce qui fonctionne mieux a énormément évolué depuis ce temps-là. Je dirais dans les 10-15 premières années des réseaux convolutifs, il n'y avait pas grand-chose qui marchait très bien et il était vraiment en arrière-plan par rapport aux autres techniques qui existaient. Mais depuis 2012-2013, c'est vraiment à l'avant-plan. À chaque fois qu'on traite des images, il y a toujours un réseau comme ça parce que ça fonctionne super bien. Donc, ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'un réseau neuronal convolutif, c'est toujours implémenté grossièrement à partir de quatre composantes. C'est des couches de convolution, des activations, qui sont des couches non linéaires, du pooling pour écraser le signal pour rendre le modèle complet plus léger, et des couches denses pour sortir une prédiction à la fin complètement. Donc ça, je vais revenir un petit peu, mais ça, si vous avez une image à enregistrer, à garder en tête, c'est bel et bien cette image-là, c'est le réseau classique. Maintenant, petit rappel pour ceux que convolution, ça sortirait pas vraiment d'idée ou quoi que ce soit. Ça, c'est une super belle façon de voir c'est quoi une convolution. En gros, c'est une opération super classique en traitement de signaux. Ce qu'on fait, c'est pour une certaine image comme ça en entrée, c'est une matrice 2D. Si on fait une convolution avec un filtre qui est comme ça, c'est tout simplement une multiplication élément par élément de la première matrice avec la deuxième. Et ça va nous sortir un résultat ou une réponse. Et cette réponse-là, c'est la sortie de la convolution. Donc, c'est vraiment pas très complexe. C'est quelque chose qui est compris depuis au moins 100 ans, au moins, je ne sais même pas quand est-ce que les mathématiciens ont commencé à penser à ça, mais en traitement de signal, ça existe depuis toujours. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça dans des réseaux profonds? C'est parce que c'est une super belle façon de traiter des images puis d'essayer de sortir des patterns. Donc, quel genre de pattern est-ce qu'on peut sortir? Ça dépend vraiment du filtre. Ce que je vais vous montrer à travers les prochaines slides, c'est qu'en fonction de ce filtre-là, on peut sortir différents types d'informations. Premier exemple très 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 classique. Pour une image de quelqu'un comme ça, on peut faire une convolution avec un noyau de Sobel, qui est un noyau. Sobel l'a proposé, ça doit faire 70 ans de ça. Et le noyau est encore utilisé aujourd'hui dans différentes applications pour faire ressortir dans une image les gradients. Donc, puis quand on dit gradient, c'est les contours des objets en fonction d'un certain axe. Donc, le noyau de Sobel en X, c'est des valeurs négatives d'un côté, nulles dans le milieu, positives de l'autre. Mais ça, ce que ça fait, c'est partout où est-ce qu'on a une transition d'une couleur à l'autre sur l'axe des X, ça va ressortir comme plus blanc. Donc, ça, c'est une réponse positive. Ça veut dire, hey, il y a la convolution a trouvé quelque chose ici qui correspond à ce filtre-là. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Même chose sur l'axe des Y, c'est le même principe. Donc, on fait la convolution de cette image-là avec ce filtre-là. Tout ce qui est une transition forte sur l'axe des Y va ressortir comme un point blanc, où est-ce que ça dit, oh, hey, à cette position-là dans l'image originale, j'ai trouvé quelque chose qui correspond au filtre ou qui active le filtre. Donc, le principe est relativement simple. Pour des images comme ça, ce n'est pas ultra intéressant. Si on veut faire des détecteurs d'arêtes ou des choses comme ça fonctionne assez bien, mais on n'est pas dans de l'analyse sémantique très compliquée. Donc, là où ça devient intéressant, c'est qu'à place d'avoir des filtres comme ça qui sont
ici, disons, c'est une ligne horizontale, ça c'est une ligne verticale, mais c'est des fils ultra simples. À place d'avoir des filtres simples comme ça, on peut en avoir des un peu plus complexes. Ici, on a des exemples de filtres un peu plus complexes, les filtres de Gabor. Ils ont été proposés dans les années 40 pour faire d'analyse de signal encore. C'est des filtres qu'on peut commencer à comprendre comment ils pourraient servir si on fait des convolutions avec ces filtres-là sur des images, mais on va tranquillement commencer à voir des activations un peu partout dans l'image où chaque filtre un peu est représenté dans les données brutes. Donc, ça serait intéressant de prendre une image puis filtrer partout avec ça. Mais un réseau de neurones profonds, essentiellement, c'est ça que ça fait. Puis ça se fait à plusieurs étages. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que ça, c'est des filtres qui sont prédéfinis. Gabor, en 46, c'est mathématiquement, il a sorti une équation de wavelet qui pouvait nous permettre de sortir ces filtres-là. Mais ce qu'on va faire quand on fait de l'apprentissage machine, à place d'utiliser des filtres prédéterminés comme ça, bien on va laisser le modèle apprendre ses propres filtres pour que lui-même il puisse décider qu'est-ce qui est important dans une image puis qu'est-ce qui l'est pas en fonction de son objectif. Donc, retour maintenant au réseau de neurones profonds, au réseau convolutif. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est enchaîner des couches de convolution pour qu'à chaque couche, on détecte des patterns qui sont de plus en plus complexe, de plus en plus subtil, mais de plus en plus spécifique à certaines choses, certains objets. Donc, on le voit bien ici, dans ce genre d'image-là, la première couche, par exemple, ça pourrait être... la première couche ici, c'est des pixels. Donc, pour chaque pixel, par exemple, on a juste la couleur, il n'y a pas d'information vraiment qui est hard-codée là-dedans. La première couche dans le réseau, bien, on a des filtres qui sont ultra simples, qui ressemblent aux filtres de Gabor qu'on a déjà vus. Donc ça, tout ce que ça va faire, c'est dire, oh, ben ici, j'ai vu une transition entre telle couleur puis telle couleur. Ou ici, j'ai vu qu'il y a une arête, l'objet se termine, puis un autre objet qui commence. Ben, ça, c'est l'information de super bon niveau. En assemblant cette information-là avec plus de filtres, ben, on finit par voir des formes. Les formes sont un peu plus complexes. Ici, on voit un coin. C'est toujours pas super évident c'est quel genre de coin, mais on voit un coin. Ici, on voit un cercle. Ça pourrait être une roue, ça pourrait être un œil, ça pourrait être toutes sortes de choses. Ici, bon, ben c'est un autre côté de forme ou quoi que ce soit, mais plus on enchaîne des convolutions comme ça avec des filtres et des activations non linéaires, plus on est capable de créer des détecteurs de parties d'objets. Donc ici, on commence, là on voit clairement un pneu d'auto. Donc si dans une image, on filtre avec un filtre qui correspond essentiellement à ça, bien, le filtre donnerait une activation forte à l'endroit où est-ce qu'il y a un pneu d'auto. Donc, après ça, un classifieur simple pourrait juste dire « Oh, ben, il y a une activation forte ici, donc c'est probablement une auto. » Et c'est comme ça que les réseaux convolutifs fonctionnent. On assemble des représentations de bas niveau à haut niveau et on finit par avoir un classifieur qui fonctionne très bien. Quelques images de plus pour cimenter l'intuition. Ça, c'est un réseau de neurones très classique, je pense, de 2014. Où est-ce qu'on regarde en fonction de à quelle profondeur on est dans le réseau, quel genre de filtres sont appris, puis sur quel genre d'image ces filtres-là s'activent le plus. À gauche, on voit les filtres qui sont appris dans le réseau. À droite, on voit des exemples d'images qui répondent très bien à ces filtres-là. Donc, on peut voir déjà à la deuxième couche qu'il y a des détecteurs de cercles. Les cercles, ça peut être des yeux d'animaux, de personnes, ça peut être des... Ça fonctionne très bien. Des fois, c'est juste un détecteur de couleurs. Ici, c'est un détecteur de rouge, essentiellement, ou d'orangé. Ça sort des images de désert. C'est quand même pas si mal. Des fils électriques, des choses comme ça. Donc, c'est relativement simple. Deuxième couche. Troisième couche, on va un peu plus loin. On assemble les représentations de la deuxième couche. Qu'est-ce qu'on obtient? Des trucs plus complexes. Donc, des détecteurs de motifs, de carreaux, des choses comme ça. Ici, on a des formes un peu plus complexes. Les roues de voiture. On les voit très bien. Des roues de voiture, c'est un détecteur de roues de voiture. Oh, il y a une courge ici, on dirait. Donc, des fois, il y a un peu de confusion, mais on est encore juste à la troisième couche. Si on continue encore, ben là, on a des représentations qui sont encore plus spécifiques pour certains types d'objets. Donc, les museaux chiens, les pattes d'oiseaux, des yeux directement, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment voir ça comme un assemblage de représentations et plus le modèle est profond, plus il peut faire des représentations compliquées. Ici, c'est un modèle relativement simple. Donc, on a l'avantage de pouvoir le décortiquer puis voir qu'est-ce qui est là à l'intérieur, puis ça fait du sens. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que les modèles ultra profonds peuvent être très complexes.
Donc, c'est justement ce que je disais. Les CNN peuvent être très, très, très complexes. Ici, on a un exemple d'un modèle de 2014, donc qui est quand même très vieux maintenant, mais qui a des dizaines de couches, et chaque couche a des opérations en parallèle qui peuvent écraser les réponses des autres si moi, ma réponse est plus intéressante. Donc, on commence de plus en plus à faire des architectures comme ça qui sont compliquées, oui, mais qui peuvent être réutilisées telles quelles pour une panoplie de problèmes. Puis nous, dans le problème qui nous intéresse, prédiction de GHI, c'est exactement ça qu'on fait. On ne va pas aller construire une architecture comme ça sur mesure en se disant, ah, oh, ben, on parle de nuages. Non, non, non. On va juste réutiliser une architecture qui est déjà publiée, qui est déjà testée, que les gens disent, oui, ça fonctionne super bien. On la réutilise telle quelle et boum, on a des bons résultats. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Donc, là, on a fait un petit survol de réseaux convolutifs profonds. Par contre, il existe une panoplie de réseaux pour traiter toutes sortes d'autres données en entrée. Les réseaux convolutifs, c'est vraiment pour les images, mais il y a des réseaux qui existent pour faire des séquences de données. Les réseaux récurrents, c'est exactement ça. Il y en a qui sont spécialisés pour traiter du texte, de l'audio, des graphes, des données structurées, toutes sortes de choses comme ça. Donc, il faut vraiment voir ça comme une boîte à outils. Il faut aller creuser un petit peu dans la boîte à outils pour voir qu'est-ce qui est le plus adapté pour mon genre de données. Mais en général, l'apprentissage profond, c'est un domaine qui est vraiment facile à adopter parce qu'il existe énormément de ressources en ligne. Beaucoup de ressources qui sont faites aussi pour des gens qui ne sont pas des experts en mathématiques ou c'est pas important ça. Moi, personnellement, les maths, c'est vraiment pas le truc que j'aime le plus, mais tout ce qui est machine learning, ça s'apprend très bien comme des blocs, des outils. Donc, de retour à notre problème. On s'est mis un beau petit réseau de neurones dans le milieu. OK, donc on a une image en entrée, des métadonnées, ça nous donne les valeurs de GHI en sortie. C'est pas si complexe, ça fonctionne très bien. Mais avec juste une image en entrée, c'est un peu moche. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser plus d'images en entrée? Ben, l'information temporelle, c'est là où est-ce qu'on irait tirer nos extra-images. Donc, on a besoin d'une façon de fournir toutes ces images-là en même temps à un réseau de neurones pour que lui il puisse interpréter puis voir des combinaisons à travers le temps, voir, OK, est-ce qu'il y a des patterns temporels à extirper de ça? La bonne nouvelle, c'est que oui, il y a toutes sortes de façons d'intégrer ça aussi directement avec les réseaux classiques. Donc, la réponse la plus simple à ce problème-là, c'est tout simplement dire, bon, ben, typiquement, quand on a un CNN, les entrées pour ce CNN-là, les images, c'est des images de taille H par W par C, où H, c'est la hauteur, W, c'est la largeur, puis C, ce serait le nombre de canaux. Les canaux, typiquement, les jeux de données qui existent en ligne, c'est souvent trois canaux, c'est RGB. Mais ici, ce qu'on aurait tout simplement à faire, c'est dire, oh, ben le C, disons déjà, nous, on avait cinq canaux, C peut être cinq, il n'y a aucun problème. Mais on peut dire qu'on superpose toutes les images temporelles sur cet axe-là. Puis on dit au réseau, apprends à partir de ça. Et surprenamment, c'est ultra simple. On force le réseau à ignorer un petit peu. Ben, il va être incapable de savoir que deux images proviennent de deux potents différents, mais il va être capable d'apprendre et ça fonctionne très bien. Les étudiants en maîtrise professionnelle qui utilisaient ça, il y avait parmi les meilleurs résultats, puis même si la technique est ultra simple, ça fonctionne très bien. Une autre approche complètement, ben, un CNN, on l'a vu, c'est des filtres 2D. On donne des images 2D en entrée, les filtres sont 2D, ça nous donne des réponses en sortie. Parfait. On peut modifier ça pour utiliser des filtres en 3D. Ça, c'est juste mathématique. On fait juste rajouter un axe et boum, tout fonctionne. Effectivement, ça fonctionne très bien. Je pense que dans le cours de maîtrise professionnelle, les étudiants qui avaient les meilleurs résultats ont utilisé ce genre d'architecture-là. C'est beaucoup plus lourd, vu qu'on rajoute la dimension extra. Les modèles sont beaucoup plus gros et les données, ça prend beaucoup plus de temps à entraîner, mais ça fonctionne super bien. Parce que dans ce cas-ci, ça permet d'apprendre explicitement des patterns sur l'axe temporel. Donc, de savoir, oh, ben dans cette image-là, dans ce canal-là exactement, entre le moins 1 heure et le moins 6 heures, ça a évolué de telle façon, donc ça veut dire telle chose. Ben, ça, c'est une relation qui peut être apprise explicitement. Donc, c'est pas mal plus efficace. CNN, RNN, c'est une autre stratégie encore. RNN, c'est un réseau récurrent. Donc, si on considère que dans un CNN, on extrait des représentations de haut niveau, comme on a vu plus tôt les détecteurs de roues, les détecteurs d'yeux, d'humains ou de visages, des choses comme ça. Ça, c'est des filtres de détection qui sont très haut niveau, donc ça nous donne des représentations de haut niveau. Si
On fait juste extraire les réponses à cette couche-là dans le réseau et après ça, on les donne à un réseau récurrent. Le réseau récurrent va être capable de voir toutes les représentations pour différentes images comme une séquence, puis il va être capable d'extraire des patterns temporels dans cette séquence-là. Donc, c'est une autre stratégie complètement. Ça fonctionne très bien. Et RNN existe depuis maintenant 15 ou 20 ans. Donc, ça fonctionne très bien. Puis il y a bien, bien d'autres solutions. Donc, la boîte à outils est remplie de choses. Ici, ConvalSTM, c'est un CNN combiné avec un Long Short-Term Memory Model. Donc, c'est une stratégie des auto-encodeurs avec RNN, CNN 3D. On peut faire du self-supervised learning sans même avoir de données de GHI prises au sol par les stations. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Puis, je vous encourage à aller creuser ça parce que les possibilités sont à peu près infinies. Donc, au niveau des résultats, malheureusement, je ne peux pas partager beaucoup. Je peux juste pas partager les résultats. Le partenaire privé qu'on avait, il veut garder ses modèles privés. Fair enough. Au niveau des approches des étudiants, je peux résumer un peu qu'est-ce qu'ils ont fait sans vous présenter les scores directement. Mais essentiellement, peu importe l'approche qui était utilisée, que ce soit CNN 2D, 3D, LSTM, etc., tout le monde arrivait à avoir des bons résultats. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un message que j'aimerais vraiment communiquer, c'est que même si vous n'avez pas l'approche la plus extraordinaire et la meilleure et la plus moderne possible, ben, ça va finir par quand même fonctionner. Si vos données sont bonnes, si votre problème est bien formulé, le modèle peut toujours apprendre quelque chose. Donc ça, c'est fantastique. Les meilleures équipes qui avaient les meilleurs résultats exploitaient des données, des métadonnées à différents niveaux. Par exemple, ils combinaient les latitude-longitude avec le classifieur à la fin du réseau, mais ils combinaient aussi des informations de flow. Dans le fond, les courants d'air estimés par une autre technique, ils mettaient au début du réseau. Donc, toutes sortes de petites connexions, ils rajoutaient des fils un peu partout. Ça fonctionne très bien. Par contre, est-ce qu'ils sont allés avec une approche très basée sur des principes ou quoi? Non, ils sont allés par essai-erreur. En machine learning, on fait énormément d'essai-erreur. On peut pas toujours garantir que quelque chose qu'on fait, ça va fonctionner, mais il faut avoir le guts d'essayer des choses. Et enfin, le pré-traitement des données est vraiment très important. Je l'avais dit plus tôt, on passe 80% de notre temps à manipuler des données puis à essayer de formuler un bon objectif. Ben, c'est vraiment des étapes qui sont super cruciales. Donc, bien déterminer quelle taille d'image découper à utiliser en entrée pour le réseau, comment bien redimensionner, comment normaliser vraiment les bandes, comment bien reconstruire des séquences ou des grosses images avec du chevauchement entre les sorties et des trucs comme ça. Donc, c'est toutes sortes de choses vraiment importantes à considérer. Donc, en conclusion, il existe une multitude de stratégies de deep learning ou d'apprentissage profond pour un même problème. Au niveau des outils qui sont disponibles dans les boîtes à outils, il y en a énormément. C'est facile maintenant de les utiliser directement d'Internet, traiter ça comme une boîte noire. C'est mal de traiter ça comme une boîte noire, mais ça se fait très, très, très facilement et ça fonctionne bien. Aussi, toujours utiliser des données d'hier pour un modèle prédictif, moi je l'encourage toujours, ça fonctionne très très bien, ça fait des grosses différences. Les gens oublient souvent ça, ils font juste « j'ai de l'imagerie satellite, j'utilise juste ça », pas souvent une bonne idée. Et aussi, informez-vous toujours sur les données open source qui sont disponibles. GoS13, FeatureFlat, c'est ultra vieux, mais on les revalorise aujourd'hui, donc c'est super intéressant. Il y a beaucoup d'entrepôts GitHub et de listes de datasets qui existent en ligne pour des ensembles de données qui sont annotés avec des bounding box ou des étiquettes ou peu importe. Et sans annotation, les sites de l'ESA, de la NASA, NOAA, peu importe, ils ont énormément de données qu'ils veulent absolument que les gens valorisent, mais personne n'est au courant que les données existent. Donc, de ce côté-là, vous y connaissez sûrement plus que moi. Et ça conclut pour aujourd'hui. Donc, merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, merci bien. La période des questions est ouverte. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, salut Pierre-Luc, c'est Yacine. Ça va bien? Oui, très bien, merci. En fait, tu me rappelles une autre partie de ma vie. Là. Moi, je suis un ancien scolariste. J'avais travaillé sur ces affaires-là à un certain moment. Enfin, c'est sûr, ce n'était pas avec de l'apprentissage profond, c'est avec les réseaux de neurones classiques à l'époque. Et je t'avoue que je tentais de faire quelque chose un peu similaire. À l'époque, on utilisait les météosats.
On a quelques publications là-dessus, mais avec des méthodes classiques. Puis quand j'entamais cette phase-là, c'était le moment où je venais ici, puis j'ai abandonné. C'était une première thèse là, que j'avais abandonnée. En fait, bon, pour la petite histoire, en fait, ce que je peux te suggérer à Pierre-Luc, c'est que lorsqu'on travaille sur l'irradiation solaire au niveau du sol, on utilise toujours le rapport entre l'irradiation au niveau du sol et l'irradiation hors atmosphère, donc qui est une fonction déterministe en fonction de la latitude, l'heure, etc. Donc, c'est très bien connu, la quantité d'énergie qui rentre dans l'atmosphère. Et ce qu'on essaye de modéliser, c'est uniquement le KT, donc l'atténuation de cette énergie-là. Juste une idée, là. Peut-être que si vous divisez cette énergie par l'énergie hors atmosphère, qui est vraiment une formule déterministe simple là, pour la calculer, peut-être que votre modèle, au lieu d'apprendre une formule déterministe, va se concentrer, si on peut dire ça comme ça, uniquement sur la partie qui est stochastique, là, qui est aléatoire. Oui, absolument. C'est vraiment intéressant parce que les meilleures solutions que j'ai vues à date, c'est basé sur cette idée-là, mais ce n'était pas sur l'extérieur de l'atmosphère versus au sol, c'était le clear sky versus le mesuré. Donc, oui, le clear sky, c'est une alternative, effectivement. Oui, c'est ça. Mais j'ai dit... Vas-y, continue, Pierre-Luc. J'aime bien l'idée atténuation parce que c'est peut-être plus proche du problème lui-même sans avoir besoin d'utiliser le clear sky qui n'est pas parfait non plus. Mais oui, on avait vraiment vu que dans les fonctions de perte, utiliser le ratio ou la différence d'une quantité versus l'autre, c'est beaucoup plus stable que d'utiliser juste « Hey, on va prédire le GHI par régression directement. » Ça, c'est très instable. Oui. Puis tu peux garder toujours la latitude, longitude et l'heure parce que le clear sky va changer, va varier en fonction des aérosols, etc. Et peut-être que cette information va se retrouver sur les images Meteosat ou GOS, etc. Et donc, tu auras au moins une partie du modèle qui est déterministe, là, que tu vas sortir de ta modélisation et que peut-être, là, ton réseau de neurones va se concentrer sur la partie qui varie plutôt que sur la partie déterministe. Oui. C'est juste une idée. Je me permets de lancer cette idée parce que moi, j'avais travaillé à peu près 8 ans sur ce sujet-là, l'irradiation solaire. J'ai même installé des stations de mesure, etc. J'ai travaillé avec les images Meteosat. Et bref, donc généralement, c'est ce qui est utilisé. C'est le réflexe qui est utilisé pour la modélisation de l'éclairement solaire. C'est qu'on s'intéresse. On appelle ça le KT, donc le rapport entre le global et le global à l'extérieur de l'atmosphère, donc le global au niveau du sol. Et donc, c'est juste une idée, là, peut-être que... Oh, mais je pense que c'est super pertinent parce que les collègues que j'ai qui travaillent directement sur le projet avec le partenaire privé, il me semble qu'ils n'ont pas considéré cette approche-là directement. Ou du moins, je n'en ai pas du tout entendu parler. Donc oui, je vais leur dire ça. Ça risque d'être une discussion intéressante en arrière-plan. Oui. Ben, merci. Ça me fait plaisir, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Moi, j'aurais une question peut-être un peu plus technique. Donc, en gros, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait, d'un point de vue pratique, quand on a de l'imagerie satellite, qui n'est pas géostationnaire, souvent les grilles ne se superposent pas en termes de pixels. Puis je voulais savoir genre, comment est-ce qu'on arrivait à passer de grilles non superposées à un tableau de données propre à peu près pour utiliser dans un réseau de neurones dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est très clair comme question. Oui, c'est quand même clair. Dans le fond, si on veut garder un aspect temporel, si on veut quand même faire une analyse temporelle, mais on a des données qui ne sont pas recalées par leur nature, le satellite se déplace, ben, je dirais le problème à ce moment-là inclut un aspect de recalage. Il faut absolument recaler les données. Le recalage lui-même peut faire partie
du modèle d'apprentissage profond, il y a de plus en plus de solutions qui commencent à essayer de tout combiner, tous les aspects du problème, le pré-traitement, le post-traitement, tous ces trucs-là en un seul modèle. Mais présentement, les techniques les plus utilisées, c'est vraiment de faire un recalage a priori, puis après ça, de resampler en fonction de ça et de dire, OK, voici l'image bien rectifiée, bien alignée, traite ça. Donc, les deux approches sont possibles. OK, merci. Puis j'avais une autre question qui est un peu subséquente, c'est là, j'imagine que vous aviez un énorme volume de données d'entraînement, parce que c'est toujours ce qu'on entend avec les réseaux de neurones. Est-ce que il y a des réseaux de neurones qui fonctionnent avec des volumes de données qui sont d'entraînement qui sont relativement faibles? Oui, ça c'est une très bonne question. Effectivement, dans notre cas, vu qu'on avait des années d'imagerie aux 15 minutes disponibles et tout, on peut dire que oui, on avait énormément de données, peut-être de l'ordre de 1 ou 2 terabytes, donc ce qui est complètement fou. Par contre, tout ce qui est entraînement de réseaux de neurones comme ça, dans des, avec des petits jeux de données, c'est définitivement une question de recherche. C'est pas du tout impossible. Il y a beaucoup de monde qui le font. Il y a toutes sortes de techniques qui existent pour, par exemple, pré-entraîner sur un problème qui est plus simple, pour lequel on a énormément de données, mais qui ne sont pas nécessairement 100% reliées. Puis après ça, réentraîner très rapidement sur la petite quantité de données qu'on a. Donc, oui, ça prend toujours un bon entraînement sur une bonne quantité de données quelque part, mais on n'est pas obligé de toujours utiliser les données pour notre problème à nous. On peut le pré-entraîner ailleurs. Donc ça, c'est une stratégie qui est vraiment très, très, très souvent utilisée en apprentissage profond. Et nous, par exemple, à Mila, les projets de recherche appliquée, on fait à peu près toujours ça parce que les partenaires qu'on a qui viennent nous voir, ils n'ont pas souvent beaucoup de données. Donc, on trouve des alternatives, mais il y en existe beaucoup. Merci beaucoup et merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Moi, j'avais une question. En fait, je me demandais, c'était quoi la finalité de tout ça? Est-ce que c'est pour arriver à faire une cartographie générale de l'irradiation? Est-ce que c'était ça, la finalité? Je n'ai pas tous les détails des idées du partenaire privé. Eux, ils voulaient se donner la capacité de faire ces prédictions-là, je pense, pour revendre un produit, tout simplement, à des plus grosses compagnies qui seraient intéressées. Mais ces grosses compagnies-là, s'il y avait vraiment un but, ça serait de, oui, faire une carte globale, par exemple, pour le Québec au complet, puis dire, dans ces régions-là du Québec, les panneaux solaires, ça va moins bien fonctionner aujourd'hui, donc on va ajuster, on va partir une nouvelle turbine à telle centrale ou quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment une question de balancer la charge sur le réseau électrique. D'accord. Est-ce que des stations de type surfrade, là, comme vous l'avez trouvé aux États-Unis, est-ce qu'on en a un peu partout au Canada ou il y en a? On en a quelques-unes au Canada, quelques-unes au Québec. Je ne me rappelle pas exactement c'est quoi le nom de ces stations-là, mais oui, on en a installé quelques-unes dans les dernières années. Il me semble dans les 10 dernières années. Et ces stations fournissent aussi des données aux 15 minutes ou bien c'est quoi l'échelle de temps, là, le pas de temps? Il me semble que c'est comparable. C'était... C'est une initiative qui était très comparable à celle des Américains. Donc, je ne peux pas confirmer que c'est aux 15 minutes, mais mes collègues qui ont travaillé directement là-dessus, ils semblaient dire qu'il y avait un assez bon recalage entre les deux. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Pas de questions, pas de commentaires? Alors, donc, il nous reste simplement à remercier le conférencier pour l'excellente présentation. Alors, pour cette première présentation virtuelle, on peut dire que c'est une réussite. Alors, merci énormément d'être présent. Merci à vous. Merci pour la conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Pierre-Luc. Au revoir tout le monde. Au revoir.